3-7, frérot. Nos vies ont le même destin que cette clope que je pète. Et donc, obligé de faire avec un pétard, connard. C'est la même pour mes frères de banlieue. Alors, te plains pas de passer le karcher quand il y a le feu sur ceux. Apprends à gérer tes paroles, à bouger tes épaules. Parce que, à nos yeux, tu deviens vulgaire comme cette meuf qui crache par terre. Mais mes frères, faut dire ce qui est, Hnaïa l'Arab, on n'est pas solidaire. On n'est pas comme les mousquetaires, on préfère se la péter en solitaire. Un sale caractère qui nous mène à des situations dérisoires. À trop se regarder au miroir et à penser au suicide au rasoir. À croire qu'on est facile à recycler comme des Playmobil pour leurs usines, mais t'inquiète que je cuisine à ma manière de voir les choses pour aller vivre au bled ou ailleurs. D'ailleurs, ce que t'as de meilleur, c'est de me donner ta thune pour que je file à toute allure. Sans te dire à tout à l'heure, ça sera, tu vois, la vendetta de nos grands-pères nous retire ailleurs. Car s'il faut tirer cette fois-ci, nous, on tira pas ailleurs. Et j'ai meilleur à dire, je n'ai peur que de mon créateur, de mon père et ma mère qui restent fiers et la tête haute même dans le gouffre. Et je remercie Allah à chaque fois que les portes s'ouvrent. Découvre un instant même le fond de moi-même et celui des miens et des miennes sur le bas-côté, prêt à bouffer le reste de ta carcasse comme des hyènes. À ce que cela tienne, on reste barbare et cruel dans nos textes et dans la vie actuelle. On reste barbare et cruel dans nos têtes et dans la vie actuelle. Pour Rapa 7, en direct.